vous là-dedans. Minute papillon. Bonjour, c'est Anne-Laetitia Béraud. Bienvenue dans Minute Papillon, le flash de midi 20 de ce mercredi 11 octobre. Plongeons des bourses de Paris, Wall Street ou d'Asie. L'indice américain Dow Jones est au plus bas depuis février. Mais qu'est-ce qui se passe sur les marchés? Ils ont peur de la remontée des taux d'intérêt américains. Une perspective qui inquiète les investisseurs car elle signifie des coûts d'emprunt plus élevés pour les entreprises et les particuliers. C'est ce qu'a expliqué à l'AFP un analyste de CMC Markets. Grosse peur pour les deux astronautes qui devaient rejoindre la Station spatiale internationale ce matin. Le moteur de la fusée a eu un problème. Ils ont vécu un atterrissage d'urgence, mais ont été récupérés en vie au Kazakhstan. La Malaisie va abolir la peine de mort. Cette annonce intervient au lendemain de la journée internationale contre la peine capitale. Et si de plus en plus de pays abolissent cette peine, les trois plus grands pays du monde, États-Unis, Inde, Chine, continuent d'exécuter des condamnés. Quand l'intelligence artificielle devient misogyne, Amazon a décidé d'abandonner un programme utilisé par ses ressources humaines pour trier les candidats. Le robot avait des tendances sexistes et il écartait les femmes, révèle l'agence Reuters. Je vous demande de m'oublier. Karim Benzema n'a pas vraiment aimé que le patron de la Fédération française de football parle de lui hier. Il l'a signifié sur Twitter. Noël Le Graët a annoncé que le joueur ne reviendrait pas avec les Bleus. Minute Papillon, rendez-vous 18h20 avec de nouvelles infos.